Anne-Marie. Elle est née un joli dimanche de printemps. Son père qui croyait en Dieu, comme au bon temps, et sa mère, cœur simple et plein de rêveries, pieusement l'avait nommée Anne-Marie. Du nom, choisi par eux entre les noms d'élus, deux saintes du ciel qu'ils vénéraient le plus. Car en Basse-Bretagne, on prétend que ces saintes, quand le terme est venu pour les femmes enceintes, se tiennent en prière aux deux côtés du lit. Je ne pose un baiser sur le front qui pâlit, ou d'un flocon de purifie une ouate étanche, le ruisseau de sueur qui coule sur la hanche. L'autre, tout occupé avec l'enfantelet, bordant les bons draps blancs sur ses membres de lait, l'enveloppe en mes corps, dans un réseau de joie. Et toutes deux ainsi, sans qu'une autre œil les voie, celui de la mère et celui de l'enfant, vont et viennent, du lit au berceau, réchauffant les petits pieds, calmant un cri d'une caresse. Et rien, dégoût, fatigue, amertume, s'arrête, au fond étourdi, sombre et nu, ne les retient. Si la femme est honnête et si l'homme est chrétien.